palmarés. El palmarés como presidente que es palmarés. Tout d'abord, je voudrais féliciter Borussia Dortmund pour l'excellente partie qu'ils ont fournie. Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont finalistes après avoir battu de grosses équipes comme Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid. Le Real Madrid a joué avec ses convictions, avec ses valeurs. Ils ont un grand entraîneur. Il a changé de tactique entre la première et la deuxième mi-temps. La domination qu'il exerçait sur le match en première mi-temps, et il s'est rendu compte qu'elle était stérile. Il a donné le ballon au Borussia. C'est à partir de ce moment-là que l'équipe a commencé à se créer des occasions sérieuses jusqu'aux deux buts qu'ils ont réussi à marquer pendant les 15 dernières minutes du match. Bonjour, je vais vous dire, je m'appelle Daisy et je vais vous dire que j'adore le Real et je célèbre ça, cette Champions League qu'on a eue avec mes proches et tout ça, et je suis très contente et j'espère qu'on aura plus de Champions League dans le futur. Merci beaucoup. Tu partages aussi avec le joueur que tu aimes là? Camavinga et Vinicius et Bellingham. Merci beaucoup. Félicitations aujourd'hui, deux fêtes, les jeunes et le grand Real. Et la grande championne, c'est ça. Là, écoute, imagine-toi comme tous les madridistes, on est très heureux. On est déjà à la 15e. C'est bon, on conclut du monde, il peut arriver comme nous. Et la joie, c'est. Et je ne peux pas te raconter la joie qu'on a dans notre cœur maintenant, et toujours à la Madrid. Moustapha, félicitations. Moustapha, journaliste à la retraite. Ce fut une belle soirée footballistique où le Real a démontré que la chance sourit toujours aux champions. Bien que dominé en première mi-temps, le Real a su réagir et grâce à Courtois a su préserver ses buts et est revenu en fanfare fantastique en deuxième mi-temps et s'est imposé de la plus belle manière qu'il soit. Nabil Misaoui, membre du comité de la Peña Madridista de Casablanca. Alors le match aujourd'hui est vraiment exceptionnel parce qu'on ne s'attendait pas à gagner ce match, honnêtement. On a débuté la première mi-temps avec des difficultés. Alors par la suite, en deuxième mi-temps, on s'est rattrapé. Il y a eu le but de Carvajal de la tête. Par la suite, il y a Vinicius qui a marqué un but exceptionnel. Donc on gagne 2-0 et voilà, on a la 15e et voilà, l'année prochaine on tentera la 16e du coup et à la Madrid, voilà. Merci.